Parce que je vois la barre qui... Bon, je sais pas. Alors ça va marcher. La barre elle est un peu bizarre. Je crois qu'il y a un bug avec le micro. Bon, c'est pas grave, on reprend. On verra. Et ça va. Ah ouais, elle va faire nuit. Ça c'est problématique. 1, 2, 1, 2. Voilà, peut-être mieux là. Il y a une petite option sur le micro là que je connaissais pas trop. On va reprendre parce que je crois qu'il y a un temps. Il y a un temps, il faut pas qu'on se nique la gueule. Alors, on reprend. Je sais pas si ça avait été. Je pense que ça avait été coupé tout à l'heure, il n'y a pas de micro, je crois que je parlais dans le vide. Donc, je disais qu'on était donc à l'épisode 9 de Albion. Caria, la prostituée du coin de la ville, nous confie un. Des confidences, on va dire, d'un de ses clients qui aurait des soupçons sur deux des membres du conseil de l'hôtel de ville. Rico et Garl, les deux qu'on a dans la première salle, là, le vieux et le brun. Et apparemment, ils seraient pas gentils. Et que les deux œuvreraient plutôt pour leur profit personnel que dans le sens des habitants. Donc, elle nous a chargé d'enquêter discrètement. Enfin, bon, nous, on est un peu pas dupes parce qu'on dit, bon, après tout. Elle était avec un client, c'était chaud lapin, et forcément, on n'y croit pas trop, mais bon, quand même. On va mener l'enquête au cas où ce serait vrai. Donc, dans une autre sauvegarde, donc, j'avais fouillé un petit peu dans toute la ville, sans grand succès. Là, je peux pas rentrer. Donc, à mon avis, il y a un truc à faire ici. En fait, j'ai pas tout visité là. Il y a tout, hein, toutes les maisons sont là. Ici, si vous voulez abonner au sud, la streamer c'est le nord, ben les deux je connais. La maladie, hein.
Le monde est beau, tralala. Ok, très bien. Meltas, Meltas, ah bah tiens, je n'ai pas vu lui. C'est gentil d'être passé me voir, tu es venu comment ? Là je suis légalement sur le visage de Meltas, alors qu'il commence à écrire fébrilement sur son morceau de papier. Tu es venu avec toutes tes amies ? C'est bien, vous êtes les bienvenus chez moi. C'est gentil d'être passé, cependant mon humeur n'est pas au beau fixe. La dernière locution de Kontos m'a fait réfléchir. Certes je ne doute pas de son intelligence, mais parfois je constate qu'il est trop radical. C'est-à-dire... Rien. Ah, passe là. Donc là, après, faut aller. Est-ce que je dois redescendre? Je me souviens plus. Je crois qu'il faut redescendre encore. Non, c'est pas là. Là, le problème, c'est qu'en plus, je peux pas les faire se reposer parce qu'il y a un timing. Ah ouais, il faut que j'aille à côté, là, c'est ça. Faut que j'arrive à aller à gauche, là-bas. Donc, il faut passer par là. Alors là, on va se retrouver avec un écran noir. On y va un petit peu à l'aveugle. Alors j'espère qu'à 23h il fera pas encore plus nuit. Là on ne voit rien du tout. Alors ne réglez pas vos écrans, c'est normal si vous voyez pas grand chose. Ah ouais non, pas des monstres maintenant. Alors là il y a la route. Oh putain, je sais même pas où je vais. Non, je crois que c'était un peu plus vers là. On va mettre un peu plus de loupiote dans la... Ah putain. Oh, elle est chiant. Il y a un pont quelque part. Putain, je crois si je vois rien. Ah, le pont est là. Ok. Donc là, à mon avis, je dois être bloqué par un truc que je vois pas. Non. Bon, en même temps, je ne le vois pas. On va faire deux avalanches, je pense que ça devrait aller. Yeah.
Alors, le village. Non, 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 pas de monstres. J'ai pas le temps. Je fonce sur eux, je fais même pas attention. Maintenant, je veux que tu remettes avalanche. J'espère qu'en un coup, ça va péter tous les petits. Ah ouais, mais non. Ils sont trop... Ah, je le vois. Oh putain, je crois que je suis pas allé au bon endroit. Bon, il est où ce village, là? Sérieux? Ah, putain. Putain, je suis pressé, là. Par le temps. Faire ça, lui va commencer à attaquer lui. Ok, bon, on est mal barré, hein. Ça pique les yeux quand même, hein. Sur la première ville, je l'ai entraîné pour avoir cette magie. Hein. On va mettre une petite boule de feu. Ben, j'allais dire, à un moment donné, il faut mourir. Hein. Ah, il est là, le village, ok. J'ai cru que j'y arriverais pas. Bon, lui, faut qu'il se mette à table, hein. Il est censé me dire des trucs. J'ai une information pour vous, ça vous intéresse? Absolument. Par contre, il me faudrait une compensation pour cette information. Des pièces d'or sonnantes et trébuchantes m'intéresseraient bien. Bah tiens donc. 80 pièces d'or, et bah tiens donc. J'ai appris de sources sûres qu'un complot se prépare dans le Conseil des Justes, à Belloveno. Le président du Conseil doit être assassiné. Il existe quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur le Conseil. Je le sais. Je ne sais pas non plus de qui il s'agit. En tout cas, son emprise est apparemment plus importante sans Eras. Je ne puis évidemment pas vous garantir que tout ça est vrai. Ah oui, parlez à Harim, il habite dans la maison des moissonneurs. Il pourra également vous apprendre des choses importantes. Information. Non, bah j'ai compris. Alors, lui, il était dans la maison. Si. Alors, mais... Donc bah déjà, vous avez déjà entendu les rumeurs sur Kontos. Rumeurs. Nous tous, nous ne savons pas vraiment quoi penser. Kontos raconte aux habitants de son village que nous sommes responsables des horribles créatures qui naissent près de notre lieu sacré. Nous ne pouvons apparemment pas nier que nous avons ce problème, mais c'est tout simplement effronté de dire que tout serait intentionné de notre part. Kontos nous a fait vraiment passer pour des méchants. Demandez à Edgir, le tavernier, il pense comme moi. Vous en avez déjà aussi entendu parler? Oui, à l'occasion. Vous voyez, nous ne savons pas pourquoi il raconte de telles choses. À qui ça profite? Peut-être qu'il faut que je mette rumeur. Melta gesticule pour indiquer à l'équipe qu'il
quelque chose d'important à communiquer. Puis il écrit avec empressement sur son morceau de papier. Nous allons rendre visite à mon ami Dario Sakounos, peut-être ça nous rapprochera un peu de la vérité. Je crois, je sais plus dans mes souvenirs, il faut pas aller voir le gars justement. Faut... Ah merde! Ils font chien. Oh, en plus, il les touche même pas. Après, j'ai oublié de réparer son casque à l'autre en plus. Il va partir. Ah non, il attaque. Il y a encore un méchant. Putain, mais ils sont trop nombreux. Ah putain, je fonce dedans, je les vois même pas. Mais ils sont combien dans ce paysage là? Ça c'est un peu le problème, c'est que les combats sont assez répétitifs. Je vois un niveau 9. Purée, mais... Oh, quelle plaie cette nuit-là. Ah, le truc qu'il a. Bon, 3h, va bientôt faire jour là. On devine à peine les contours. Ah. Là, ça va mieux. Alors, du coup. Il faut que je monte là. Oh là là, viens là, viens là, viens là. Pop, 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 pop. Ah, c'est dommage qu'il est bientôt 8h si j'ai pas le temps. J'aurais attendu 8h pour avoir le gars là qui vient de 8h à 9h. Mais on n'a pas le temps. Alors là, on va sauvegarder. Et on va foncer prévenir le gars Joe. Pour dire que quelqu'un veut l'assassiner. C'est pas par là. Putain.
C'est pas par là, c'est par là-haut. Je voudrais vous parler d'une affaire très importante, vous avez un peu de temps à me consacrer. Oui, bien sûr, de quoi s'agit-il? Gareko n'était plus présent lors des dernières séances du conseil, il se comporte d'une façon assez étrange. Je crois qu'il prépare quelque chose. Vous avez en ce moment un bon contact avec la plupart des habitants de Beloveno et des autres villages. Et pour ça, je voudrais vous demander de me tenir au courant si vous apprenez des nouvelles concernant des membres du conseil. Si vous apprenez ce qu'il se trame, dites-le moi, s'il vous plaît. Ce qui se passe ces derniers temps n'est pas normal, j'espère. Ne mijote pas un mauvais coup. Pouvez-vous me rendre service? Nous pensons que oui. Je suis ravi. Je ne vais certainement pas abuser de votre confiance, mais il est important pour moi d'être au courant des évolutions. Mais justement... Alors, attends. Cette rumeur, il y a des rumeurs. On peut rien dire là-dessus. Complot. Je ne dis rien du tout. Assassinat. Attentat. On ne peut rien dire là-dessus. Ah non, ça c'est un mot qu'on peut utiliser. Hop hop hop, voilà. Vous voilà de nouveau. C'est gentil de repasser ma voix. Il y a en ce moment quelques divergences au conseil qu'il va falloir résoudre. C'est pourquoi je n'ai pas tellement de temps pour vous. Ah, rumeur. Eh bien, je ne suis pas encore tout à fait sûr, il y a du vrai là-dedans, mais j'ai entendu dire qu'il y a apparemment de plus en plus de créatures horribles qui sortent de ce lieu. Je vous conseille de ne pas y aller. Il existe un tabou qui interdit aux hommes de pénétrer ce lieu. La chose sacrée appartient aux Iskai. Comment vous l'expliquer? Notre membre du conseil Perron est d'avis que Gar et Rico n'agissent pas pour le bien-être de la population. Il est vrai que Gar et Rico sont parfois peu flexibles, mais c'est tout de même une accusation grave de la part de Perron qui... agit et réagit parfois de façon hâtive. Comme Perron ne lâche pas prise, nous nous sommes tous réunis pour aborder le sujet. Malheureusement, le climat ne s'est pas amélioré. Gar et Rico sont complètement obstinés et prétendent qu'ils ne pourraient et ne voudraient plus travailler avec Perron. Ils ne l'apprécient pas, pourtant, c'est une personne parfaitement honnête. Chose dont je suis moins sûr en ce qui concerne Gar et Rico. En tout cas, je suis plutôt du côté de Perron, mais si Gar et Rico font forte tête, nous ne pouvons plus travailler correctement au sein du conseil. Mais bon, il faut qu'on arrive à maîtriser le problème d'une façon ou d'une autre. Parfois, c'est vraiment difficile de travailler avec eux. Attitude. Peut-être que Gar et Rico se réviseront encore, sinon il faut que je trouve une autre solution. Perron. Leur président Eras, mais c'est toi le président, Coco. Que voulez-vous dire? Ah, 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 merci. C'était bien un mot qu'on pouvait utiliser. Ah, c'était juste une idée de notre part. Nous avons des informations très importantes pour vous. Bon, alors racontez un peu.
Bien, laissez-nous vous raconter. Par quel bout commencer ? Nous avons discuté entre-temps avec beaucoup de gens de la ville et nous avons obtenu des informations que nous devons absolument vous communiquer. Nous ne sommes cependant pas sûrs si toutes ces informations sont fiables. Vous devriez quand même savoir qu'un attentat est prévu contre vous. Nous l'avons appris tout d'abord par Perron. Depuis, nous avons d'autres renseignements qui confirment cette information. Même s'il devrait juste s'agir d'une mauvaise blague, il est certainement préférable de vous prévenir une fois de trop que trop peu. Je ne peux pas le croire. Je voudrais tout d'abord, bien sûr, vous remercier de m'avoir transmis cette information. D'ailleurs, Perron m'en avait déjà fait part, mais comme je connais Perron, je n'ai pas pris très au sérieux. Ce qui était peut-être une erreur. En tout cas, je vais faire attention dans les temps à venir et je vais aller dormir ailleurs. Je vous suis en tout cas reconnaissant et s'il s'avère que quelque chose était effectivement prévu, je vous récompenserai. Ah. Donc ça vaut le coup de lui sauver la vie, peut-être lui. Toi. Mais on a déjà fait ça. Du coup, faut aller parler à la prostituée, là. Je vais parler à la prostituée, puis je vais aller remonter dans la ville là-bas et parler au copain de Meltas. Alors, tout le monde est fatigué, mais vous n'allez pas dormir tout de suite, les cocos. Hein. Moi qui vous le dis. La prostitute, je crois qu'elle est là. Vous avez réfléchi à mon information, agissez vite tant qu'il y a encore le temps, je vous en prie. Ce n'est pas facile d'être une catin. Il y a quelques jours, un de mes clients m'a donné une information sérieuse. Je sais aussi maintenant que l'attentat est imminent. Ah bah ouais, c'est là qu'il était là le mot, je me demandais. Allez, en fait, il fallait voir elle d'abord. Une information sérieuse. Au cours d'une nuit, comme quoi Eras, président du Conseil des Justes, devait être assassiné. Ce sont évidemment Rico et Gare qui sont derrière l'affaire. S'il vous plaît, je ne peux pas vous le prouver, mais aidez-nous. Faites quelque chose. Personne d'autre ne me croit. Vous êtes mon dernier espoir. S'il vous plaît, empêchez cet attentat. Ouais. Je sais aussi maintenant que l'attentat est imminent, mais vous pouvez encore l'empêcher. L'attentat est imminent. Eras va vous croira peut-être si vous le prévenez. Ou essayez d'arrêter Gare et Rico. Si Eras est mort, la partie mal intentionnée du conseil l'emporte. Essayez d'empêcher ça, je vous prie. La plupart des gens de la ville n'en sont pas conscients, ils ne voient pas le danger ou ils ne veulent pas le voir. En fait, c'est elle. Parce que j'ai mis le mot attentat parce que je devais me souvenir. Parce que j'y ai joué il y a très très longtemps et je me suis souvenu certainement du mot clé. Et c'est avec elle qu'on a le mot attentat. On a l'idée de mettre attentat. Alors du coup, parce que moi je l'ai fait un peu dans le désordre, mais je pense que pour sauver le président du conseil, donc il faut parler à la catin qui nous donne l'information. Ensuite il faut monter. C'est moi, ça m'a bloqué. Il faut aller voir les Iskai, sauf que ça a bloqué. Il faut d'abord trouver le pote de Meltas. Qui est dans la maison à Kounos, et c'est ça qui m'a niqué la première fois. Et là, ça doit débloquer quelque chose qui fait qu'on peut aller dans la ville Iskai, aller voir le tavernier, lui demander des informations, et là, il nous donne l'information sur l'assassinat. Ensuite, il faut retourner en ville, à Beloveno, parler à la catin, et elle vous donnera le mot-clé attentat. Qu'il faut dire à Eras pour qu'il se fasse pas tuer, quoi. Tout simplement. Non, mais tout le monde est fatigué, je sais. En ce moment, l'ambiance est explosive. Kontos veut occuper la chose sacrée de Sri Malinar. Mais ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Certes, nous soutenons tous Kontos, mais parfois, je ne suis pas sûr de la justesse de ses décisions. La plupart en sont convaincus, mais moi je ne le suis malheureusement pas. Je ne sais rien de ces mystérieuses créatures et la chose sacrée a toujours existé depuis ma naissance. Pourquoi deviendrait-elle soudain dangereuse? Tout cela n'est peut-être que passager, en tout cas la plupart d'entre nous soutiennent totalement notre chef. Mes soupçons sont peut-être infondés. J'ai encore quelque chose d'important à te dire. Dis-moi.
Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais la plupart des gens de notre village sont déjà partis à la chose sacrée de Sri Malinar. Nous avons décidé de l'occuper et de détruire le mal de l'intérieur. Kontos dit que les Iskai y expérimentent la magie noire, pourvu qu'il ait raison, car s'ils se trompent, la guerre est assurée. Je vais bientôt rejoindre mes frères de tribu et leur prêter main forte. Oh oh. Bon là, je pense qu'il faut retourner à Beloveno. Puis il va falloir que je revienne là pour fouiller la cave de... La cave de Kontos. Personne. Vous voilà enfin. Je peux toujours pas le croire, mais vous avez malheureusement eu raison avec votre thèse. Un attentat a été effectivement perpétré à mon encontre. Je sais pas comment vous remercier, vous m'avez sauvé la vie. En tout cas, une grande récompense vous attend. Récompense. Vous l'avez bien mérité. Prenez cette clé et allez dans le coffre-fort de l'hôtel de ville de Beloveno. Prenez tout ce que vous voulez. Oh putain, merci. Ça vaut le coup. Eh bien, je ne sais pas encore tout à fait sûr s'il y a du vrai là-dedans, mais j'ai entendu dire qu'il y a apparemment de plus en plus de créatures horribles qui sortent de ces lieux. Je crois que c'est la même chose. Mise en garde. Merci beaucoup encore pour ce renseignement. Vous avez déjà eu la récompense. C'est arrivé en pleine nuit. J'ai entendu crier les gardes que j'avais postés devant ma porte. Grâce à votre mise en garde, si je n'avais pas eu la grosse épée sous mon oreiller, je n'aurais certainement pas pu me défendre à temps. Ainsi, mes agresseurs étaient tellement surpris de la vigueur de la riposte qu'ils ont pris la fuite. Ils étaient masqués et je n'ai pas pu les reconnaître, mais il est fort possible que c'était Gar et Rico. D'ailleurs, ils n'ont pas réapparu depuis cet incident. Ce n'est évidemment pas une preuve, mais ça donne à penser à un lien de cause à effet. En tout cas, je voudrais encore vous remercier chaleureusement pour le tuyau. Si je n'avais pas été aussi bien préparé, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. J'espère que vous acceptez ma récompense en guise de remerciement. Et donc Perron. Perron est très franc, je sais en quoi m'en tenir. Parfois il réagit de façon un peu exagérée, mais ce n'est pas si grave. Qu'attendez-vous? Nous devons dans un premier temps trouver un nouveau membre du conseil, puisqu'il est pratiquement établi que Garrico était impliqué dans le complot. Pour l'instant, je peux m'occuper des affaires les plus importantes et nous allons rechercher de nouveaux membres pour le conseil. Et lui va dire quoi du coup? Donc. Notre conseil est en complet. Ah bon. Grâce à votre aide, tout fonctionne de nouveau super bien chez nous. Les nouveaux membres du conseil mettent à cœur à l'ouvrage et se mettent en route. Tenez-vous loin de lui, de Kontos. Ah, changement. Il y a tout d'abord de nouveaux membres du conseil qui remplacent Gareko. Ils sont ouverts aux réformes et ça fait vraiment plaisir de travailler avec eux. À cette occasion, je voudrais vous remercier encore une fois pour votre aide. Blablabla, je pense qu'il dépasse largement le cadre de l'attentat contre Eras. Attends, c'est vrai. J'ai découvert quelque chose qui devrait vous intéresser. Il existe un lien entre Gareko et Kontos. Rico ne l'a reconnu qu'indirectement au cours d'un entretien, mais je suis absolument sûr que c'est le cas. Kontos avait... par le biais de cette relation, une grande influence sur les affaires gouvernementales de Beloveno. Aucun doute là-dessus. Par contre, je ne connais pas pour l'instant leur vrai motif. Je pense qu'ils
dépasse largement le cadre de l'attentat contre Heras. Donc tout est lié. Ok. Il y a beaucoup de méchants dans l'histoire là quand même. Hein. C'est là le... clé de Hera. $500. Et puis des diamants. Heureusement qu'il a la miette de force maintenant. Ah, il faut que je répare son casque, c'est vrai. Bon, ben, je suis un peu plus riche maintenant. Donc là, on a une nouvelle affaire. Donc, je pense que la chose sacrée, là, le tabou, le truc des Iskai, là, c'est là où il y avait toutes les mains, là, où je me suis fait attaquer. Dans la forêt, là-bas. Et donc, il va y avoir une guerre entre les Iskai et les humains. Super, alors forgeron. Non, c'était réparer que je voulais. Ah, répare pas. Ah, c'est peut-être l'autre qui répare. J'espère qu'il répare tout. L'armurier, il est où là. Putain, il est pas fier, hein. 61. À vendre. Je vais avoir tous ces petits trucs. Allez, je voulais reparler à la catin. Elle est où? Pour voir ce qu'elle va me dire. Voilà, enfin, d'abord mille merci. Je suis comme nous tous certainement vraiment très contente que le pire soit évité grâce à vous. Je suis sûr que les conseils vous récompensera royalement. Et je serai même prête à vous offrir gratuitement. Mais qu'avez-vous donc? Vous ne vous sentez pas bien? Vous avez l'air bizarre. Je pense que c'est l'excitation de ces derniers jours. Parfois vous êtes vraiment bizarre. Je me réjouis en tout cas qu'il y ait encore des gens comme vous. C'est un compliment, je suis sérieuse. Qu'est-ce qui se passe avec Heras? Bon ben parfait. Nous avons rempli notre mission haut la main. Je pense qu'il va falloir que j'aille au donjon. Mais avant toute chose, je vais dormir. On va attendre qu'il soit 21h parce qu'il faut qu'il dorme jusqu'à l'aube. Comme ça, je récupère toute ma vie, ma magie. T'as pour me faire un nice tour, non? J'arriverai jamais à 9h là-bas, putain.
Alpha 10 ou de U. Je me souviens plus. Entre 8h et 9h, bah c'est mort. J'y arriverai jamais. Le temps passe trop vite. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu lui parler. C'est beaucoup trop court, hein, et ça ne nous laisse pas le temps. Du coup, là, ils peuvent pas s'entraîner, quoi. C'est chiant. Kono, c'est étrangement calme. Aucun bruit humain n'est audible, et quelque chose d'inquiétant plane sur le village. Ses habitants ont dû se rassembler auprès de la chose sacrée de Srimalinar pour combattre les Iskai et occuper la chose sacrée. Ah oui, il n'y a plus personne. Ben, on va les fouiner là-dedans, hein. On va sauvegarder. Alors déjà, ça serait bien. Voilà. D'abord, je vais aller fouiner chez lui là-bas. Ah, celui il est parti là. Ok, rien d'intéressant. Des potions. On prend. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, 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 ils sont nombreux quand même. Hein. Putain, ils font mal. Attaquer plusieurs là, hop. Ah,
Ça, c'est pas mal qui se barre. Oh, putain, d'expérience, ça me rapporte rien. Ils étaient beaucoup pourtant. Il m'éclate la face, mais il me rapporte rien du tout. Ok, donc là il y a. Ouais, code couleur à faire. Donc là, on va pas faire du pifomètre parce qu'on en a pour 100 ans sinon. Oh, une amulette de force encore cool! Ça va pour toi! Ah, puis ça lui donne de la vie aussi en plus! Ça, c'est bien ça! Ah, ça, c'est moins cool par contre! Celui qui voit l'amulette doit mourir! Bien! C'est totalement rassurant. Alors ça sent le passage secret quelque part. Voilà. Là. Incroyable, ce mur doit être un mirage. On peut le traverser. Lequel? Je suis... Ok. Ce mur-là, là. Mur-là. Ah, c'est là, ok. Ah ben voilà, on s'est sorti. Cool. Pourquoi j'ai déplacé là, je... Il me donne rien du tout quoi. Expérience nulle. Et ça fait quoi? Ça a l'air d'avoir ouvert, ouais, ça a ouvert ça. Tom, il est presque mort. Point de dégâts. Merde, faut que j'arrête. Un point, faut que j'arrête. Stop. Ah,
Tom, ils boivent une bonne rasade de potions là. J'ai pas refait le plein de potions. Bon, ça commence à se barrer. Ah non, ça sert à rien. C'est ça, partez. Un petit coffre. Il est trop mignon. De couleur là quand on reviendra tout à l'heure. Alors après, hop, ça c'est fait. J'allais dire, ça sent les méchants, en effet. Ça, ils sont un peu moins nombreux. Là les points de vie, mais ce qui est pénible, c'est qu'il me rapporte vraiment pas grand chose en expérience quoi. Oh là là. Où sont les méchants? Ils vont être par là. Ah, il est tout seul. Un petit éclat de glace là. Bon, lui rapporte déjà un peu plus. Ça ne m'étonne pas. Là, c'était juste un petit gadget emprisonné dans une cage, là. Oh là là. Oh là là, mais je vais me faire défoncer. Ce sera, il fonctionne. On va l'utiliser encore, hein, parce que là, sinon je suis mort. Comme le sort est au maximum, du coup ils sont plus immunisés par rapport aux autres sorts. Attaque par tour 3. Ah, ça c'est bien, il va attaquer 3 fois maintenant par tour. Tirate à niveau 15. Plus de magie.
Meltas au niveau 13. Ça, c'est très très bien. Est-ce que ça fait pas flipper quand on avance tout doucement comme ça là? Oh là là, il y a trop de portes. Il y a trop de méchants. Oh, un coffre. Brogue. Je leur donne de la magie. Elle me sauve la mise là. J'imagine. Partie de document. Elle donne à Tom. Truc important, elle donne au héros principal. Donc elle va retrouver la deuxième moitié du document. Yes, ok, ils veulent ma mort. Alors on va prendre de la potion. Putain, heureusement j'en ai. Là, je pense qu'il faut que je crée deux avalanches, il y a trop de monde là. Sont-ils les méchants? J'ai peur, j'aime pas, c'est noir et tout. On va essayer d'attaquer sans magie parce que... Ok.
Par contre, les potions, j'en ai pas masse non plus, hein. On t'en tue un et tout le monde se casse, quoi. Ah, ils sont trop forts. De me tuer. Heureusement que Drill il est parti sur trois coups maintenant. Elle a déjà un truc de protection, lui peut-être. Ça augmente la rapidité. Ah, Tom il a rien. Tom il attaque pas vraiment. Mais il donne à lui. Toutes ces petites amulettes là. Alors après, oh putain. Pas dans quel sens. C'est un truc là qu'il faut, voilà, tac tac tac. Il faut le mettre là à mon avis, tac, et là on met là le cube. Mais alors attends, si j'avais vu une autre manivelle ailleurs, là. C'est dans l'autre sens. Ok, il y a un truc que je pige pas trop trop. Thank you.
sais pas jusqu'où il faut aller. Je me plante. Et jusqu'à cette case là, ça fait 1, 2, 3, 4ème. 1, 2, 3. Je pense qu'il faut le faire encore une fois. Ouais, après on fait comment pour le... Est-ce qu'il y a une autre manivelle là ? Ah, d'accord, elle en fait, elle ricoche en fait. Il faut encore le faire. Ok, elle ricoche et boum. Faire deux avalanches encore. Sacro-sainte avalanche. Sont morts et pas d'autres. Peut-être arrêter de prendre ces trucs-là, ça va me surcharger à donf, ça. Collier de Danu. Peut-être utilisé par les druides. Ça donne de la chance. De la vie, de la magie. Balthas va devenir intéressant. Il y a un autre coffre là-bas dans le coin, putain. Amulette protectrice. Oh, mais putain, plein d'amulettes. À qui je vais donner ça maintenant, moi? Siobhan a la force, lui aussi. Elle, elle a déjà. On va donner à lui, hein. Et puis ça, on va le donner à lui.
c'est vachement bien. Alors là, on va sortir par là. Ils sortent d'où, eux? Ils sortent d'où? Ça fait peur. C'est des bric-à-brac. Je pense que je vais pas m'amuser à rester là trop longtemps. C'est pour gagner 4 francs 6 ou quoi? Ah, vas-y, je reste pas. Ça me fait gagner rien du tout. Allez, on s'en va. Hop. La boule de feu. Une boule de feu dans la gueule, c'est pas la peine. Je pense qu'à mon avis, les objets les plus intéressants, j'ai réussi à les avoir. Toutes les amulettes là. Il y a déjà énormément de cadeaux que j'ai réussi à avoir. Alors. Les trucs de couleur. Alors, bleu, bleu, rose. Là, faut que ce soit bleu. Là, faut que ce soit. Merde, j'ai dit bleu, bleu, rose. Ouais, c'est ça. Et l'autre côté, c'était jaune, vert, jaune. Ou vert, jaune, vert. Merde. Jaune vers jaune. Alors, il faut que le sud. Attends.
avec les deux portes qui sont là. Un truc là que je pige pas. Alors, ah non, c'est l'inverse. Oh putain, c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. Merde, j'ai un doute. Côté porte, c'est bleu bleu. Non, c'est rose bleu bleu. C'est ça. Rose bleu bleu. Là, c'est jaune vert jaune. Voilà. 10 pièces d'or. What? C'est que des 10 pièces d'or là, c'est ça? Ok. C'est... Ok. Pourquoi pas? Après, il me reste la grande salle à faire. Bon, il y a l'air d'avoir rien du tout, donc... Il y a plein de tabourets, c'est une salle de réunion. Alors, ah bah c'est peut-être là où il fait ses assemblées, l'autre là. Contos. Ses allocutions, pardon. On va pouvoir se barrer. J'ai trouvé un morceau de... Ah, c'est lui qui l'a. Donc l'autre partie du document. Du coup, on va retourner chez les Iskai. Je sais plus. De par là, on passera pas. Ah putain, j'ai un doute sur vous. Il va faire le tour de ce truc là, là. Touk, touk, touk. C'était bien par là. Mmh.
suffit, hein, par contre, se retaper tous les monstres que j'ai déjà tués tout à l'heure, c'est bon. Il est trop marrant, lui, comme de dos. Partout, partout, partout. À chaque fois, je vais trop haut. Encore venir ici après tout ce qui s'est passé, de toute façon je n'y comprends rien. Les rumeurs et les justifications fallacieuses des ancêtres celtes sont tout simplement ridicules. Cet endroit n'est pas plus dangereux que n'importe quelle grotte de la région. Et vouloir l'occuper et enfreindre ainsi notre tabou est une offense directe à notre peuple, à laquelle nous ne pouvons répondre qu'avec colère, haine et incompréhension. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve incroyable ce qui se passe en ce moment. Il y aura une guerre et rares sont ceux qui... On connaît apparemment les tenants et les aboutissants. Nous devons en tout cas nous défendre et nous le ferons. La plupart de nos guerriers sont déjà partis pour s'opposer. Il n'y a plus qu'un miracle qui pourrait maintenant éviter le pire. Oh. Ah ouais, ça c'est elle qui se prend le mur là. Vous ne croyez donc pas que je vais encore vous servir. À votre place, je ne mettrai plus les pieds ici. Allez plutôt au lieu sacré et essayez d'empêcher Kontos et ses adeptes d'exécuter leur plan. J'ai même maintenant des preuves évidentes contre Kontos. Je vous les donne volontiers pour que vous voyez à qui vous avez affaire. J'en ai d'ailleurs des copies. C'est malheureusement juste la partie d'un document que Kontos a voulu détruire, mais on peut encore y lire à des tas de choses. C'est l'autre partie du document. Les deux parties de documents se juxtaposent parfaitement. Le document original est constitué. Le document contient des informations intéressantes. Il renvoie à un contrat entre Kontos, Gar et Rico. Ah bah tiens non. Les compagnons ne comprennent pas tout ce qui est marqué ici, car certaines choses sont notées sous forme de langage codé. Il s'agit probablement d'une sorte de contrat de participation à des précieux minéraux. Pour l'instant, on ne peut malheureusement pas avoir plus de précisions. On pourrait peut-être utiliser cette pièce à conviction pour régler le conflit entre Iskai et Mainos. Cet objet ne m'intéresse pas. Ouais, c'est un petit peu... Quelqu'un derrière le comptoir hurle que Tom et ses compagnons doivent quitter les shops sur le champ. Ah oui, c'est vrai que je suis vraiment persona non grata. Ah bah la bonne femme elle est plus là. Il est encore là, lui. Des hommes, vous osez encore venir ici? Prenez garde, nous n'avons pas la meilleure opinion de vous en ce moment. Mais nos guerriers vont défendre le lieu sacré. Ils y sont déjà. À votre place, je disparais très vite. Vite fait. Pouvez-vous battre avec nous ou voulez-vous juste regarder faire? Opinion. Nous n'entendons que des mauvaises choses sur les hommes. Ça vous étonne? Que diriez-vous si on vous prenait ce que vous avez de plus précieux et en plus de façon honteuse? Ils ont encerclé l'endroit de guerriers et je ne sais pas, ils ont peut-être déjà pénétré et violé notre chose sacrée, alors que les créatures viennent d'ailleurs, ce qui est sûr. Vous vous trompez, mais nous allons riposter, nous n'allons pas nous laisser faire. Et même s'il devait y avoir la guerre, nous ne vous étonnez pas si vous n'obtenez plus de marchandises ici. Nous allons tout de même pas soutenir nos ennemis.
Edir a même maintenant des preuves évidentes contre Kontos. Ouais, ils ont brisé le tabou. En fait, Kontos fait croire à tout le monde que la chose sacrée des Iskai fait sortir les créatures que j'ai vues là, bah, toutes les mains qui font peur là. Ok, ok. Pour foutre la merde. Oh, j'ai pas le temps pour toi, mon coco. Ils sont tous là. Je vais me taper toute l'attaque des mains. Peur 2. Oh là là. Elle va me niquer, elle. On va foutre un petit truc de magie là. Toc, éclat de glace. C'est la guerre. Ok, elle a les chats et elle a les humains. Tom s'intercale entre les deux parties en brandissant le document, servant de pièce à conviction, pour que tout le monde le voie. Un murmure traverse les rangs lorsque Kontos surgit brusquement de la chose sacrée et s'adresse immédiatement à ses hommes. Ne le croyez pas, ne tombez pas dans ce piège. Il s'agit tout simplement d'une ruse. On essaie de vous induire en erreur. Le document est falsifié. Si moitié du document correspond à la partie conservée par Edgir, alors il est authentique. Puis-je l'examiner un instant? Merde, j'ai pas... J'aurais dû le montrer avant. Tom donne le document à l'Iskai et aussitôt d'autres Iskai se regroupent autour de lui. Brusquement, Mainos, Darios s'avance et demande aux Iskai de pouvoir également examiner le document. Le petit groupe se retire aussitôt avec le document alors que Kontos a fort à faire pour calmer Mainos, paraissant de plus en plus sceptique. Tom et ses amis profitent du temps pour servir de médiateur entre les deux parties. Ils parlent aux Iskai et aux Mainos de leurs discussions ces derniers temps et des pièces à conviction qu'ils ont trouvées. L'agitation qui a gagné entre temps, les deux parties se transforme alors en un énorme tumulte. Kontos est littéralement pétrifié et remarque qu'il perd de plus en plus le contrôle des événements. Finalement, il fait une dernière tentative et hurle. Écoutez-moi, mes thèses sont justes. Je vais vous prouver que cet endroit est l'épouvante et l'horreur même. Je vais y entrer maintenant et revenir dans quelques instants avec les preuves en question. Si vous violez notre chose sacrée, nous allons nous venger. Peu, chose sacrée, que de mots. Kontos pénètre dans le bâtiment sacré et bien sûr plusieurs Iskai le suivent immédiatement. Entre temps, Darios a retrouvé ses frères de tribu. Ils se regroupent tous immédiatement autour de lui et ils commencent à parler avec précipitation. Sur les visages des Mainos se dessinent le désespoir et la douleur. Les Iskai se concertent également entre eux. Après quelques instants, un porte-parole s'avance et annonce. Nous sommes sûrs et certains que le document est authentique et que nous l'avons bien compris. Darios nous donnera raison, il a pu le vérifier lui-même. Le document est un contrat entre Kontos, Rico et Gar. Donc Rico et Gar, les deux méchants du conseil, et Kontos, le vieux, vu dans la cave. Tous les trois ont découvert il y a longtemps quelque chose que nous ignorons. Sous notre voûte sacrée, il y a de grandes quantités de métaux et de minéraux précieux. Ça explique aussi l'incident où un inconnu
Vraisemblablement, Kontos a pénétré la chose sacrée et a creusé des trous. Il a probablement prélevé des échantillons à l'époque. Kontos est intelligent, il savait certainement, grâce à ses bonnes connaissances géographiques, que les conditions y étaient extrêmement favorables pour un important gisement en minéraux et en métaux. Ainsi, notre chose sacrée repose depuis des générations sur un gisement de minerais et nous n'en savons rien. Voilà. Les plans de Kontos sont évidents. Il voulait convaincre son entourage au moyen de rumeurs ciblées que l'endroit représente un danger pour l'ensemble de Meni. Heureusement qu'il n'a réussi que partiellement. Le plan prévoyait la destruction de la chose sacrée pour permettre ensuite l'exploitation des précieux minerais et en toute quiétude. La tâche de Gar et Rico dans ce complot consistait à contrôler la situation à Belloveno. Ils essayaient d'y répondre aussi de telles rumeurs. En récompense de leur soutien, ils auraient évidemment touché une partie du profit. Les parts étaient déjà fixées dans ce document. Par ailleurs, ils ont usé de leur influence sur le conseil au profit de Kontos. Mais Kontos a aussi commis des erreurs. La bonne terre n'aurait jamais permis de donner les minerais sans son accord à des criminels. Kontos, bien sûr, ne croit pas à ces choses-là. Il pense que tout se résout par les mathématiques et par la magie. Mais les horribles créatures, elles étaient bien là. On en trouve toujours. Elles sortent bien de la chose sacrée. Non, c'était également l'œuvre de Kontos. C'est le seul mage sur l'ensemble de Meni capable de créer et d'invoquer de telles créatures. Tous ses plus proches confidents le confirmeront. Grâce à ces créatures, il a réussi deux choses en même temps. Il a pu tester sa magie et a ainsi créé de fausses preuves qui étayaient ses thèses. Notre magie n'est heureusement pas capable de ce genre de choses. D'ailleurs, nous ne maîtrisons pas la magie noire. Cette longue allocution fait réfléchir même les derniers Maïnos qui soutenaient toujours Kontos. Une nouvelle agitation s'installe et les discussions vont rentrer dans les rangs des Maïnos. Selon toute vraisemblance, ils sont sérieusement touchés lorsqu'ils constatent qu'ils ont été victimes de la cupidité de Kontos qui les utilisait pour réaliser ses plans. Et même si certaines questions restent sans réponse, il est quand même assez évident que les habitants de Kunos ont été menés en bateau. Tom et les autres ont évité le pire et ce n'est plus qu'une question de temps pour que les deux parties se réconcilient. Les premiers Maïnos très compréhensifs se sont déjà excusés auprès des Iskai, d'autres sont repartis vexés et abattus vers Kunos. Mais les deux parties ont une chose en commun, la reconnaissance à votre égard et pour avoir agi en médiateur, et pour avoir trouvé une solution pacifique. Iskai comme Maïnos vous invite et serait ravi que vous pouviez, si vous pouvez leur rendre visite un jour. Mais il y a évidemment un problème de taille. Où est Kontos? Que fait Kontos? Et que fait-il dans la chose sacrée? Ah bah tout le monde s'est barré. Ils vont pas m'aider à tuer les mains. J'hallucine. Éclat de glace. Lorsque Tom et ses compagnons pénètrent la cave sainte, ils sont tout d'abord surpris. Chacun d'eux avait imaginé cet endroit autrement, soit obscur, froid ou impressionnant. Personne en tout cas ne s'attendait à ça. Cette cave ressemble presque à une habitation, elle est aménagée confortablement et offre tout ce qu'il faut pour la vie courante. Seul le hall de réunion et les portes étranges dans les murs laissent à penser qu'il s'agit d'un endroit particulier. Il règne une ambiance bizarre ici. Tom pense même percevoir de légers sons de cloche. Cet endroit a en tout cas un effet apaisant sur l'ensemble des compagnons. Tom et les autres ne veulent en aucun cas déranger la paix éternelle des âmes Sky présentes. On va juste piller tous les coffres. That's it. J'espère qu'il y a des trucs ramassés quand même. Ah, manipuler. Ah, des sous. Kontos n'est pas ici, j'ai déjà cherché partout, je ne sais pas où il est. Il y a des Iskai, ils vont me voir voler des trucs. Là-dedans, il y a plein de sous. Thank you.
Il y a même des lits, on peut dormir ici. Derrière cette porte repose une conscience éternelle. On devrait la laisser en paix. Contos vous attend pour régler ses comptes. Non, je m'en vais, non, 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 je vais pas passer. Oh, il est loin. Merde, c'est lui qui l'a. Ah si, je peux l'avoir. Cool. Il me reste quelques balles là. Hop là. Yeah.
La foudre est super forte. Là, je peux plus fournir. Hein. En train d'utiliser toutes mes potions. Ouf. 160 points d'expérience. Putain, encore une amulette protectrice, quoi. 250. Ah ouais. Ah, on dit oui, hein. Ces bijoux, il va falloir que je les vende, hein. Hors de bonheur, ça doit augmenter la chance, ça. C'est de la merde, hop. On va aller voir les Sky, on va lui dire qu'on a pété la gueule. Hein. À Contos. Oh, j'ai 1200, c'est bien. Là, on va lui en mettre son arme, lui. Hop là. J'ai l'impression qu'elle vend plus cher que l'autre en fait. Putain, 16 balles. Là, eux ils ont leurs chaussures. 410, 520. J'aimerais bien. On peut peut-être le mettre là à 150 là. C'est pas mal ça. Thank you.
fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein. Alors l'arc, est-ce que je peux le vendre? Non, il n'y a pas de place. Entrez donc et buvez un coup aux frais de la maison. Oublions la dispute et passons un bon moment ensemble. Pas lui qui disait. ouais, c'est inadmissible. Vous auriez par hasard quelque chose à vendre? Je suis un commerçant. Ah, bah voilà. Alors, elle vendait 8,3 et lui vend. Ah, 5, ouais, non, c'est pas intéressant. Par contre, ça, c'est beaucoup moins cher. Allez, on va lui acheter toutes ces potions bleues là. Voilà. On va repartir hop là. Tranquillement. Voilà, le centre-ville. Maintenant qu'on a résolu toute l'affaire. Donc en gros l'histoire, si j'ai bien compris, les Iskai, ils ont un endroit sacré. Et Kontos, donc le chef des humains là, il a répandu des sales rumeurs sur cette chose sacrée en prétextant que des créatures maléfiques sortaient de cette chose sacrée pour discréditer les Iskai. Et puis parce que visiblement dans cette chose sacrée, il y avait des minéraux, des minerais précieux dont il voulait s'emparer. Donc forcément il a créé ces créatures bizarres là, les mains qui me font peur là, en faisant croire que c'était l'œuvre des Iskai. Donc il a voulu remonter les humains contre les Iskai pour son profit. Donc il avait les deux membres du conseil de l'hôtel de ville là qu'on a vu au début étaient ses complices. Ils ont essayé de perpétrer un attentat contre le président du conseil que j'ai déjoué, ce qui fait qu'il a été sauvé. Il m'a récompensé avec des sous, donc c'est pas mal. Et donc en fouillant dans la cave de Kontos, on a retrouvé une partie du document et l'autre partie du document, un contrat signé justement entre Rico et Gar, donc les deux membres du conseil soudoyés. Qui était là donc la preuve de la complicité des trois, et ce qui a permis de mettre fin à la guerre entre les Iskai et les humains. Regardez-vous le copain de Meltas. Et on a tué Kontos. Ce qui nous a permis d'avoir pas mal de fric. Là. On y
finira plus tard. Mais non. Pour partir d'ici. Donc là, je pense, à mon avis, vu le temps que j'ai passé pas mal dans ce monde, je pense qu'à mon avis, on a fini dans ce monde-là. Mais d'ailleurs, ils n'ont pas parlé du Toronto. Ils n'ont pas du tout parlé du Toronto. Donc on n'est pas bien avancé dans notre quête principale. Ça va retrouver le vaisseau spatial de Tom et de Rainer. L'hiver chez eux. En même temps, il fait jour tôt. Tu me diras, 14h du matin, ça commence à faire jour. On va aller revoir la Kata. Est-ce qu'elle a un truc à nous dire? Avec oncle Kunag, il n'est pas toujours là, mais quand il est là, il y a toujours une ambiance qui donne des frissons. Il est toujours gentil avec moi, mais j'ai quand même parfois peur de lui. Oncle Kunag peut faire des choses vraiment super. J'ai déjà observé une fois quand il a fait voler une tasse au-dessus de la table, mais il ne me montre jamais quand je lui demande. Oncle Kunag, c'est lui là, mais bon, lui, je le verrai plus tard. Je crois qu'il faut qu'il soit dans mon équipe à un moment donné, dans tous les cas. Elle a disparu. La Kata n'est plus là. Je devais aller voir le conseil. Pour me dire quelque chose. Ah ouais, le nouveau gadjo. Je remplace Rico, l'ancien membre du conseil. On s'est pas guidé. Ravi de vous revoir. C'est une voûte près du village de Sichri Malinar. Je vous conseille de ne pas y aller. Il y a rien d'intéressant. C'est bien de passer encore une fois. Je voudrais encore vous remercier pour votre aide et vous souhaiter bon voyage. Bah, bon voyage, donc pas pour l'instant, je peux partir. Hein. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, je pense qu'à mon avis à l'auberge, il va y avoir des trucs qui vont se passer. Et puis on se retrouvera prochainement pour un nouvel épisode, certainement demain, pour la suite des aventures de Tom Driscoll et de son équipe dans Albion. Sûrement qu'on va partir de cette île-là pour un nouveau monde. Voilà, puisque je pense avoir tout fini là dans ce monde-là. Donc la suite au prochain épisode, merci d'avoir suivi et je vous dis à demain.